Season 2 here! Merci beaucoup tout le monde de nous suivre et continuer s'il vous plaît. Shirley? Oui? Es-tu prête? Oui, je suis prête. Parce que les autres sont prêts. Bye! Après ça, ils vont faire un autre écho. Pour mais là, quand tu l'as fait, ton pipi? Ouais, c'est ça. On veut savoir si ça a chauffé. Ça a pas chauffé. Non. Mais, j'ai, depuis, comme c'est un cours de main, là, pis ça fait 10 mois que j'ai eu l'opération, c'est un cours de main, là. Faut que je me concentre vraiment. Ah, comme ouais. Si, disons, que je m'assois à la toilette, je suis sur mon cell, puis je regarde, whatever, ouais, je ouais, poste ouais. Sur Facebook ou whatever. Si je pense pas à faire mon pipi, ça va jamais sortir. Faut vraiment que je sais pas, fait que comme je m'assois à la toilette, là, faut vraiment je, comme je pense à comme faire pipi, puis là, ça va sortir. Ouais. Ok. Ouais. Faut que tu relaxes tes muscles dans l'entour de là. Ouais. C'est pas les mêmes muscles qu'un homme utilise pour uriner ouais. Qu'une femme. Ouais. Puis c'est ça, comme des fois, je me rends compte, c'est ça, comme j'ai mon sel, je scroll, puis je suis assis à la toilette, je me rends compte après 5 minutes, je suis en cours de vie, ça va sortir. Oh non! Elle peut pas avoir son sel pendant qu'elle pisse, non. Ok. Puis, et tout comme, juste si, disons que j'ai envie de pipi, mm-hmm. Puis que là, je décolle à faire d'autres choses, puis je pense plus à mon pipi, ça vient que j'ai plus envie de pipi. Ah, ok. Comme c'est vraiment weird, je comprends. Ouais, ça, par exemple, la vessie est faite pour ça. Comme moi, mettons, j'ai envie de pisser, si tu te retiens, la vessie, si tu t'en tiens assez longtemps, la vessie va se réajuster. Puis ton envie de pipi va partir. Ah, oui. Ah ouais. Peut-être que les hommes, ça fait moins ça, je me souviens pas, là, mais ouais, ça c'est fait pour ça. Ouais. Fait que c'est bon, ça pour vraiment. Bon, merci pour nous avoir partagé ton premier pipi! Mais là, c'est un weird du tout, comme juste comme. Massier sa toilette, pis ça, tu sais, comme c'est sûr, ça sortait pas de la même manière. Non, c'est ça. Fait que non, le premier pipi, t'as pas mal weird. Puis là, comme, assure que t'avais un équipement interne, comme tu filais que t'étais, comme une femme. J'ai oublié ma question. Ok, c'est ça, tu sais, tu parlais d'avoir de la dysphorie de genre, oui. Mais là, ça matchait avec ouais. Quand tu voyais dans le miroir, là, comme ton. Tu sais, tu nous avais parlé un petit peu comme ton premier moment ou ton plus beau moment, tu t'as dit, waouh, comme ça, c'est mon vrai corps, là. C'était quel moment? C'est quand j'ai essayé un bikini pour la première fois. Oui! Sans avoir besoin de me strapper là. La dégueulée. Mais ça, tu sais, fait que là, comme tu t'habilles puis tu files que t'as pas rien à cacher, t'as pas rien comme ça, c'est un beau moment. Pas montrer ton bikini dans les photos. Ok. On s'entend là qu'elle comme une Victoria's Secret model, ok? Watch out. Ouais, fait que c'est ça. Puis la dysphorie de genre, ben c'est ça, c'est pas tout le monde qui l'a, comme tu mentionnais. Ouais. Il y a du monde qui peut être confortable avec l'équipement qu'on est avec. Moi, personnellement, ça marche vraiment pas là. Non. Puis, ok, j'ai un exemple pour faire comprendre la dysphorie de genre. Oui. Mettez vos mains là. Ok. Ok. Tu sais, comme, on se met les mains, puis ça file bien, là, comme tu s'enfiles dans le sujet. J'aime pas ça. Mais... comme si quelqu'un me tient la main. Ouais. Mais si, disons, là, tu sors, là, puis tu décales comme d'une. De... ouais. Un doigt, puis tu mets, tu sais, ça file weird. Ouais. Mais c'est très de même, ça file. Ah. Ça file juste comme ça file... off. Ouais. Ça file off. Tout le temps. Ça fait juste comme pas confortable, comme juste weird. Ouais. Ben c'est bon pour ceux-là qui écoutent, qui filent un peu de même, peut-être, c'est beau de mettre des mots dessus. Ouais. Mais là, nous autres, moi là, ce qui m'intéresserait de savoir. Oh, d'habitude, c'est moi qui ai des questions de même. Ouais, mais tu vas, pour une fois. Non, mais tu vas empiéter dessus, je suis sûre. Ça, je trouve une peau. Watch out. La dating life. Oh. Spooky. Parce qu'elle vivait pas, t'es une femme attirée par les hommes. Puis là, tu parles des relations et tout ça, là, t'es un adulte, là, ben peu importe. Non, on coupe ça. C'est correct. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça, là, t'es prête à dater et tout ça. Fait comment ça se passe? Tu sais, qu'est-ce que les personnes peuvent s'attendre à s'ils font comme toi ou qu'ils veulent faire de transition? Je vous mentirais pas si c'était vraiment pas nice. Ça a été rough. J'ai été sur des dating apps pendant comme 2 ans. On a trouvé mon chum de suite. Ouais, comment ça s'appelle dans ton son? Gabriel. Tu l'as dit hier. Ouais. Allô, Gabriel. T'es beau et tout. On l'a trouvé beau. Mais non. Il est comme beau, là. Ouais. En tout cas. Ben, il match avec elle. C'est ça. Faut faire de quoi beaucoup. En tout cas. Mais ça a été long avant de trouver Gabriel. Ouais. 2 ans, je pense que c'est dérigant. Ouais. Parce que j'étais comme c'était dérigant pendant comme 2 ans. Puis même avant que je commence à faire transition, quand j'étais comme gay. J'étais assez délignée et ça. Ça n'a pas été successful pas vite. Non. Moi non plus. Voyons,
calibre, moi. Moi, ça fait 3 ans et demi, puis ça mange pas plus. Okay. Ouais. Non. Surtout comme dans la région d'Edmonton, puis c'est comme pas juste pour les personnes trans, mais juste comme la communauté en général, LGBTQ+, c'est pas... Surtout comme un petit milieu de même, parce qu'il y a comme pratiquement personne. Fait que tu vas sur une date avec quelqu'un, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Non. Fait comme la plupart du temps, qu'est-ce qui arrivait, je commençais à parler à un gars. Tu sais, comme ça allait bien, pis t'es comme, ah, tu sais, t'es belle, pis je veux te rencontrer, pis j'aimerais te porter une date, pis moi, je me suis tout le temps dit, avant de comme rencontrer un gars, j'allais dire que j'étais trans. T'étais en attente de quoi, là? Ouais, pis comme, tu sais, juste pour comme éviter de, oh, comme, tu sais, une situation malaisante, t'es comme, il me rencontre, pis il fait comme, tu sais, comme, t'es-tu trans, pis là, je serais comme, oui, pis là, comme, c'est ça, j'entends des histoires d'horreur. Ouais. De violence. Ouais, de violence. Mm. Fait que je voulais éviter ça. Fait que c'est ça. La plupart du temps, qu'est-ce qui arrivait, je lui disais, pis c'était comme, non, never mind, je vais toi. Fait que t'étais-tu découragée de ça à un moment donné? Tu ah oui, parce que j'ai vu plein de fois, là. Comme, il y a un bout que. Ben, jusqu'à pas longtemps passé, avant que, comme, j'ai rencontré Gab, comme j'allais juste give it up, pis j'étais comme, j'avais accepté le fait que j'allais être single toute ma vie, pis comme. Oh, ça m'a fait. Ouais. Fait que. Ou, comme une fois de temps en temps, il y en a un qui allait accepter ça, puis il allait pas m'aider, mais il allait être comme, ok, je m'aide pas, mais dis pas ça à personne. Ah, faudrait que ça reste secret. Faudrait que ça reste secret, que comme, il voudrait juste comme. C'est un sneaky link, là, comme tu dis, là, comme juste un. Sorry one night, that, puis juste pour le trip de dire qu'il a comme couché avec une fille trans, là, tu sais. Ouais. La même affaire. Non, j'aurais même pas pensé à ça. Fait que dans le fond, les personnes peuvent avoir de l'espoir. Les filles transgenres peuvent avoir des gars. C'est déjà dur d'été, ok, d'avance pour n'importe qui, n'importe quelle orientation sexuelle, c'est déjà difficile les relationships, mais en plus que là ça commence juste à être ouvert, ça peut être un blocage, mais qu'ils se découragent pas, ils vont tomber sur quelqu'un qui va les faire sentir bien. Ouais, moi c'est ça après que je ménage à Moncton par exemple. Mais c'est ça, vous pouvez trouver quelqu'un dans la région des Sud, pas au 17, c'est sûr. C'est ça, juste pas give up là-dessus, parce que comme... L'amour, hey! Une de mes chums qui disait que sa grand-mère disait « il y a un couvert pour chaque chaudron ». What? Exactement. There it is. Exactement. Fait que c'est ça, j'ai rencontré Gab comme 2-3 mois passés à Moncton. Est-ce que ça prend une bonne personne comme Gab pour être respectueux, puis que dans le fond, c'est l'amour toi pour une personne, c'est pas qu'une question de genre. Non, puis dans le fond, lui, il est capable, je pense qu'il a la maturité de comprendre que t'es vraiment une femme. Ouais, exactement. Puis tu sais, comme quand j'ai dit que je serais trans, sa réponse a été comme, ça change absolument rien pour moi. Il dit comme, tu sais, je t'apprécie pour qui ce que t'es, puis je t'apprécie pour la personne que t'es. C'est comme, je m'en fous de ton passé, de qu'est-ce que t'as fait, ou du corps que t'es dedans, ou whatever. Il aime toi pour qui ce que t'es. Exactement. C'est Olivia. Ouais. Ah! Oh, les merdes! Ouais. Maman est bonne avec ces entrevues-là, moi, là. La fâche! Voilà, tu dis! Mais, c'est ça, fait que... Je pense qu'on a fait un petit peu tour c'est sûr qu'on pourrait en parler, des détails, tout ce que tu as vécu, puis tout ça. Mais pour les personnes vraiment qui veulent en savoir plus là-dessus, soit pour s'éduquer parce qu'il y a un proche comme ça, ou pour les personnes qui se questionnent, de ne pas se gêner, ils peuvent contacter Gris Acadie. Gris Acadie, dans le fond, comme si on fait plus des interventions, on recommence comme en septembre prochain, là. C'est ça, nous autres, ça va nous faire plaisir d'aller comme ça dans les classes, dans les entreprises, des groupes de personnes. OK. Puis une personne seule, qui est seule là, aujourd'hui, qui écoute, là, puis elle se questionne, c'est quoi, elle va-tu voir une sexologue, elle va-tu voir... Tu peux, c'est ça, moi je conseille vraiment la thérapie. Le médecin de famille. Vraiment aider. Mm-hmm. Médecin de famille, oui, à certains points, des fois, comme... Dépend quelle. Ça dépend des ressources, là. Mm-hmm. Des fois, comme la plupart du temps, ils savent juste pas c'est quoi, là. Oui. Mais ils vont référer. Ouais, ou juste comme, tu sais, faire des recherches online, il y a pas mal de plus de ressources à se faire. Oui. Vidéos sur YouTube, j'ai écouté plein de... Okay. Tout, juste ça m'a aidé à plein. Oui. Qui se gêne pas d'aller chercher de l'information par peur que justement d'être découragé, genre comme ok, ben ça se peut pas pour moi parce que je suis admin, ou ça se peut pas parce que je suis pas sûre si je file de même ou pas. Ben tu sais, il y a du monde qui peuvent t'aider à t'orienter, là. T'es pas obligé de décider ça la seconde que tu décides, tu commences à regarder pour de l'information. Exactement. Okay. Puis juste comme en parler, gardez pas ça dedans parce que comme moi je l'ai
garder ça de comme un des dépressions. C'est ça. Parce qu'on garde, tu sais, veux pas, c'est quelque chose de récurrent à nos émissions. Toutes les émotions qu'on refoule puis qu'on garde par en dedans. Le silence, ça saute tout en quelque part. Comme toi, ça a sorti en dépression, ça aurait pu sortir en addiction, ça aurait pu, tu sais, comme, c'est pas bon de garder ça par en dedans. Moi, j'en remarque que ça va tout le temps comme, je coupe tout le temps. Excusez-moi, le monde, je sais, je coupe Shirley, je vais me le faire dire quand on est au shopper. Je m'excuse, mais je vais pas m'en faire l'idée. C'est ça. En silence, non, ça fait. Moi, j'en remarque dans toutes les situations, en silence, qu'on dévoile, ça fait mal, ça a des réactions. Comme tu dévoiles la science, ça fait mal de tous les scénarios. Ouais. Mais après ça, là, c'est une paix. C'est une liberté. Ça guérit. C'est la grosse boule de neige, là. Le pouf! Puis là, les particules. Ouais, on va mettre des gifs là-dessus. Mais gardez pas le silence. Ben, ce que je veux dire, par exemple, c'est que il y a du monde qui garde probablement le silence parce qu'ils n'ont pas nécessairement une personne dans leur vie qui savent qu'ils peuvent en parler à. Ouais. C'est beau de dire parle, mais tu n'aurais pas été parlé à quelqu'un que tu t'aurais su, que tu aurais dit voyons, c'est temps de parler de ça. C'est whatever. Ça, juste avoir comme quelqu'un. Mais il y a des professionnels de la santé pour ça. Oui, mais des fois, avant de consulter un professionnel, tu veux t'aider à une personne de confiance. C'est comme toi, ta première personne, ça a été ta mère. Ta meilleure amie. Ouais, ma best chum, Ashley. Shout out. Ashley! Merci! Non, demain, je ne veux pas la tuer. Ouais, non, c'est ça, c'est la première que j'ai dit. Puis... Fait qu'une personne de confiance, une personne, tu sais, qui ne vont pas vous juger, vous n'avez sûrement une dans votre vie, puis si vous n'avez pas, il y a des ressources, il y a des psychologues, sexologues, le Gris Acadie, tu peux quand même, je suis sûr, contacter quelqu'un là-dedans, il ne fera pas une session de thérapie, mais non, tu peux t'aligner vers quelque chose ou te faire sentir que c'est pas mal être comme ça. Ouais, c'est comme ça, on essaie de comme moins faire ça vu que, premièrement, on n'est pas formé comme thérapeute. Ok, ben je vois, Ok, ouais. Ça n'est pas que même pas, on va le couper. Ouais. On a assez de bloopers pour du bloopers. Mais non, juste comme une personne de confiance. Oui, fait que wrap it up. On va wrap it up. Je suis pas mal. Like a Christmas gift. Attends, mon panier, là. Ok, c'est bon. Ok, on va faire ça en conclusion. Oui, là, on va conclure. Ouais, tu veux-tu la faire, la conclusion? De dire merci d'être venu et tout ça? On dirait que je suis off limits aujourd'hui. Comme je suis fucked up. Ok, tu veux-tu le faire ou t'as mieux le faire? Enfin, j'ai parlé beaucoup. Tu trouves? Ouais. Moi, je trouve que j'ai tout quand tu coupais. Ouais, mais tu parles pas beaucoup quand tu me coupes. Ok, c'est bon. Bon, ben moi, je vais faire ça de la finishing. On conclut avec Olivia. Ça va être. Qu'est-ce que. Ok, je comprends. Go. Je suis prête. Bon, ben! On wrap ça, les amis, parce que là, we can go on and on and on and on. Fait que, un petit mot de la fin, Olivia. Pour dire à une autre personne comme toi, si tu as un message à partager, que c'est tout en son, notre but et tout, notre mission à True Colors, c'est un message. Une phrase pour laisser au monde à baigner dedans pour qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce que tu as à dire? Je dirais, faut pas que t'aies peur d'être qui ce que t'es. C'est bon. Je vais broyer. Comment c'est pas chanceux, j'ai pas pris ton monde pour toi. C'est moi qui suis pas non, y'a pas de chien. Y'a pas de chien. Y'a pas de chien, je suis pas direct. Ok. Mais non, okay, juste pas avoir peur d'être qui ce que t'es, puis de t'affirmer, puis de prendre ta place parce que tout le monde est worth it, tout le monde vaut la peine, puis. You matter. You matter. Oh, c'est bon. Tu vaux la peine. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on va la faire revenir, for sure. Et bien, natural at the camera. Okay. Fait que là, on a un tirage. Si vous aimez ce contenu et les prochaines vidéos qui vous suivront, vous pouvez gagner ceci. Likez, partagez notre page Facebook, s'il vous plaît. On va mettre le lien YouTube. Si vous voulez aller là et tout, on va essayer. On aime pas ça. On va buster l'Internet. Regardez qu'est-ce que tu peux gagner. Attends, faut que tu roules ça, là. Faut que tu le roules, montrer comment beautiful. Ah, OK. Ça, c'est une crème, là. C'est pour peau intolérante. C'est la belle crème Aven. Puis là, beau lips. Moi, mes lip gloss préférés, c'est les Buxom. Fait que là, c'est un beau lip. look at that! Ooh. Mais là, il est pas flashant même quand tu l'as fait comme un gloss. Là, je m'en mettrai pas parce que je veux pas que vous ayez un feu sauvage sur le coin de la bouche. Mais c'est comme sheer, là. Comme, il est vraiment beau. Fait que, hey, likez, partagez, suivez-nous. Si vous pensez que notre message peut faire du bien à quelqu'un de votre entourage, gênez-vous pas. On vous apprécie. So, till next time. Stay tuned and show your true colors! When you feel like it's over.
to be.